Panaya de Vlakarna. Située dans le village de Vlakarna, en face d'Arta, l'église doit son nom à la fameuse Vierge de Vlakarna à Istanbul. Elle fut construite à la fin du XIe siècle et rénovée au milieu du XIIIe siècle par Michel II Komnène Doukas. C'est encore un brillant exemple de la gloire et de la religiosité des chrétiens zélés d'Arta à l'époque byzantine. Extérieurement, l'église n'atteint certes pas la grandeur de Parigoritissa ou l'élégance ornementale d'Aios Vassilios, mais elle possède ses propres caractéristiques qui la rendent pour le moins impressionnante. À l'intérieur, le temps, mais aussi les interventions humaines malheureuses, ont laissé leur marque partout, ce qui lui a fait perdre une partie importante de sa splendeur passée. Près des coins, à l'ouest de la nef, deux tombes d'une grande sobriété font la particularité du monument. Aujourd'hui, c'est l'église paroissiale du village auquel elle a donné son nom.